solo. Nadeskinele, ya papa rosa. Ah, ba me me la miso ba sango ya lokuta. Ba me me la miso ma solo ya kokosa. Bijou tumbi ya ye, na ba sango ya solo. Bonjour, bonsoir, na balandino sur la chaîne Abisso, Juvedi TV, Obolandaka, émission Abino, Les Échos du Congo, et Zanga Savante, la Mino Bijou Tumbi. Vedi si bon, on a Bijou Tumbi, na l'obaki, Juvedi TV, ça se va jeter. Donc, faut que l'oukanzambe na ba dimension nyonso. Donc, na ba catégorie, c'est ce que tu l'oukanzambe, tozo l'oukanzambe. Et Zaka, pour Nabisso, t'es même pour na yom, tozo l'anabisso, na moment oui. Les amoukolo, ma botte nion ce qui n'a pas posé en apon à coton dans Zambé. Pourquoi pas? Moi, la soukaba maman paie à qui de coton dans Zambé et le on a équipe Mobimaya Juvedi TV. Eh, ne m'en boyo kaka na simananga. Bozo a déjà ma bozo ka déjà ko ya ma kele le son ya musique. C'est que lelo toza pena na kilt toye penza na kilt pour la cosambe la coton dans Zambé na lingi. Et le monde a biso, na bino batu bozo la nanga, toboko la nanga, ensemble, tous à la pena branché, on a kokota, à profondeur, ya koku misanzambe. Na moment nyonso, ya prédication, ya intercession, na moment nyonso. Oyo équipe mbezo le kiza, et le monde a biso, tokota pena na mozindo, on a koku misanzambe. Naibi ke ba détail ko ki kozala mingi to ba question ko ki kozala mingi. Mais na moment oyo ezana nuta to luka elongi na nzambe. Yaya jilo kindelu elongo na yaje tu wapi bino penza to ko ta moment oyo pona ko ku misanzambe. Le ba détail to le reste tikali to ko solo lango après to ye ba gizi to za eza wapi to pesa ba ba dress nyonso pasteur kombono nani to ko solo lango après vraiment Moma et Koki Tosambi. Merci beaucoup. Yeah.
Nous voulons contempler la gloire de Dieu et nous voulons bénir notre Seigneur pour sa nous voulons dire merci pour sa parole qui va verser ses matins dans la vie de chacun. C'est de la parole. Mais avant d'écouter la parole, il y a pour la parole qui va les gens, je voudrais que tous ensemble, elle est édition dans ce corps, comme un seul homme, le corps de notre propre, poussons nos cœurs vers Jésus. Afin qu'il nous parle ce matin. Que sa parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Adorons le Seigneur. Alléluia. Yeah.
sois loué ce matin. Sans amener tout le monde à ton corps de l'homme. Je salue ici ta présence. Après, c'est dans le sapo, dans vos services à l'ivoire. Parmi les saints. Car Dieu t'a accordé cette opportunité d'être parmi les saints pour écouter ensemble les insignes de l'Éternel. Oui, t'es ensemble, après sur l'Ibaku, à côté de mon santo. Je te salue quand tu es venu pour la toute première fois à ce lieu. Je salue tous ceux qui vont nous écouter de loin. Et la paix du Seigneur soit sur vous. Ce matin, Dieu veut nous parler de quelque chose de spécial. Je vais parler à ton âme. Je vais interpeller ton cœur. Je ne puisse parler au cœur que à nos personnalités extérieures. Car c'est dans le cœur où résident nos âmes. Là où il y a nos préoccupations, nos soucis. Et ce matin, Dieu, au travers du Saint-Esprit, veut nous parler sur l'amertume de l'âme. Sans prénom, vos Bibles. Alors, on vous présente, je suis ma Bible, il y a eu au fond du cinéma. 1 Samuel chapitre 30. Notre lecteur nous lit la parole à partir du premier jusqu'au huitième verset. Lorsque David arriva le troisième jour à Tiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi et à Tiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tiklag. Après avoir fait prisonnière les femmes et tout ce qui s'est trouvé, si ma maman au Canada Bolo pour passer peine avec l'eau, je suis à la Guyana. Petit et grand. Voilà, qui est peine du colo. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. À mon moment qui attend de mon côté, car c'est ma soeur qui va connaître son père en Nico qui est dans ma maman. La ville et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et la femme et la fils et leur fille. Ils étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et plairèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de plaider. Les femmes de David avaient été amenées à Shiloam de Jireel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de lapider. David attendait qu'il n'a pas si mingi. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu.
au sacrificateur Abiathar, fils d'Ahimelech. Apporte-moi donc le faute. Abiathar apporta le faute à David. Et David consulta l'Éternel en disant, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclamons très très fort la parole du Seigneur. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons vous parler sur l'amertume de l'âme. Ce matin, je vais interpeller l'âme de quelqu'un ce matin. Il veut consoler une âme. Il veut parler à ton cœur. Il veut parler à ta conscience. Il ne suffit pas ce matin de ton apparence. Il ne voit pas ta bonne mine ce matin. Mais ce matin, Dieu veut toucher le cœur d'un affligé. Oui, je le disais, si chacun de nous, je permettais à son cœur que tout le monde le perçoive, le regarde à lui, je crois que tu ne diras pas que tu as des problèmes. Ce qui nous amène, après ça qui peut être dit, c'est de l'idée, ma matière par la mousse. Si tout le monde, son cœur était ami, comme l'œil, comme la bouche, qu'on pouvait entrer, ouvrir et voir, je crois que tu diras que mon problème est minime par rapport à l'autre. Ce qui m'a dit, c'est là qu'il faut le faire. Oui, nous disons tous que nous avons des problèmes. Mais est-ce que tu as déjà rendu compte des problèmes d'autrui? Est-ce que tu as déjà sonné le cœur d'une autre personne, de ton ami ou de membre de ta famille? Mais si Dieu te donnait cette opportunité, tu diras que tu n'as pas de problème par rapport à une autre. Parce que chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses préoccupations. Et si Dieu permettait à chacun de nous qu'on voie son cœur, laisse-moi te dire, comme je le dis souvent à ce lieu, qui aimerait beaucoup de mariages qui seraient déjà disqualifiés. Si tu avais laissé le cœur à chacun de nous de sonder, il y aurait des familles déchirées. Il y en aurait des mariages, des familles, les amitiés qui vont se déchirer. Car ce qui réside dans nos cœurs, seul toi seul qui le connais. Mais je me
te dire, la deuxième personne est là. Le Saint-Esprit qui sort de le cœur et le réveil. Voilà pourquoi la Bible dit, les cœurs connaissent ses propres chagrins. Et qu'un étranger ne peut pas les sonder. Une autre personne ne peut pas sonder le cœur d'une autre. Parce que c'est seulement le cœur qui connaît ses propres chagrins. Qui croit que l'autre est bien plus que toi. Il vit dans un bon mariage. Il travaille très bien. Il roule au carrosse. Tu vois son apparence extérieure. Mais lorsque vous entrez dans son cœur, c'est à ce moment-là que tu sauras qu'il a des problèmes plus que toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais parler plus à ton cœur. Toi qui me suis de loin, laisse-moi te dire, ton problème ne va pas plus que les autres. Parce que Dieu n'a pas, ne t'a pas révélé les problèmes d'autrui. Et si tu sondes le cœur de chacun de nous, tu verras que même celle-là que tu as envie, même celle-là que tu adores, même celle-là que tu poursuis, même celle-là que tu es derrière elle, pour demander secours, pour demander, pour s'approcher à demander conseil. Vous verrez que même ces gens-là ont plus de problèmes que toi, ont plus de problèmes que toi, ont plus de difficultés que toi. C'est celle de Dieu qui connaît les guerres de chacun de nous. Oui, qui sont de nos cœurs. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, ne te fuis pas n'importe qui. Ne prends pas ton problème comme si c'était le plus grand problème du monde. Car vous ne sondez pas le cœur de chacun de nous. Vous ne savez pas par rapport à ce papa qui a des grands problèmes dans la vie. Qui est entre ces mamans qui a des vrais problèmes. Lorsque vous voyez des gens circuler, ils sont bien habillés, ils roulent, ils font tout, mais ils font entrer seulement dans leur cœur. Vous verrez que nous tous nous savons des problèmes. Je parle à ta conscience ce matin. Je parle à ton cœur ce matin. Ne te tourmente pas trop. Ne crois pas que c'est toi seul qui a des problèmes ici sur la terre. Ne crois pas que c'est toi seul qui es le plus malheureux. Laisse-moi te dire, il y en a celles-là qui ne dorment même pas. La Bible nous dit, celles lesquelles connaissent les chagrins, les étrangers ne ignorent tout, ne peuvent pas donner, lui apporter de la joie. C'est-à-dire, vous pouvez bien manger, mais si tu as des problèmes dans le cœur, votre joie de manger ne peut pas se substituer à la paix du cœur. Celui-là qui a des problèmes, vous pouvez avoir beaucoup d'argent à manipuler. Mais n'as-tu pas vu quelqu'un qui est riche, abondamment riche, mais qui n'a pas les paix du cœur? Le qui a un chagrin, les étrangers ne peuvent pas le soulever, le consoler. Bien habillé, le corps peut s'habiller. Mais si le cœur ne va pas, personne d'autre peut les consoler. On peut manger, on peut boire, mais après avoir bu, il y a des chagrins qui reviennent. Le cœur de l'homme, je suis en train de consoler. Je suis dans ta vie ce matin. Je suis dans ton souci ce matin. Je sais que tu peux être apparemment bien. Tu peux rigoler, ricaner, très bien. Mais je ne te
Lorsque tu fais quelque chose, sans consulter l'Éternel,
chapitre. Parce qu'il sait que tu es l'icône de la famille. C'est toi qui es le fort. Ils sont battants. Lorsque tu fais seulement, il est sorti sans dire à ton Dieu, il peut vous arriver la destruction. Et tes biens. Le diable peut venir piler tes affaires. Et à ce moment-là, nous avons des faillites. Nous avons des chutes de nos affaires. Des impayements des salaires. Parce que qui travaille physiquement, mais spirituellement, le diable a déjà brûlé cela. Vous vendez, mais le diable a déjà brûlé, il s'est accaparé de tes choses. La deuxième des choses, c'est nos familles. C'est nos familles. On a pris en otage les prisonniers, les familles de David, la femme, les enfants. La Bible a précisé, petit et grand, tous ont été pris en otage comme des prisonniers. Voilà la deuxième des grandes choses. Lorsque on est dans la distraction, le diable vieillit pas en otage. Ici la Bible nous dit qu'ils n'ont pas tué les gens, mais ils l'ont pris en otage. Voilà pourquoi nous observons les prisons sataniques du diable. Dans nos familles, il y a des gens qui ne sortent pas. Nous sommes entassés dans les mêmes toits, dans les mêmes familles. Les jeunes filles ne se marient pas. Les hommes ne travaillent pas. Il y a la promiscuité. Dans la maison, dans la famille, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est parce que le diable les a déjà pris en otage. Ils sont esclaves du diable. Ils sont prisonniers. Les enfants de David étaient prisonniers des fils. Les femmes de David et ses siens, ils étaient déjà en otage. Lorsque dans le troisième jour, David est rentré, il a vu la ville vide. Tout a été pillé. Il n'y avait pas les hommes, il n'y avait pas les femmes, ni les vieillards. La Bible nous dit il a eu une amertume de l'âme. Alléluia. Acclamez-moi. Acclamez-moi. L'amertume de l'âme, c'est un cœur amer. Ça vous témoigne tout le passé. Vous sentez comme si vous voulez vous empoisonner. Il n'y a plus la sens de la vie. Vous n'avez plus le désir de côtoyer les autres. Le cœur abattu. C'est comme si tu es le plus malheureux du monde. Parce que David était fort, il l'a senti dans le cœur. Et ça se passe plus dans le goût de foule de l'amour. Parce que c'est des choses qui affectent la vie des gens, c'est le bien et c'est la famille. Lorsque c'est des choses qui sont affectées, vous sentez comme si la vie n'est plus là. Et je sais que dans ce matin, il y a quelqu'un qui passe ce moment. Ces affaires ne marchent plus. Mais dans la famille, rien n'y va. Dans le mariage, rien n'y va. Les enfants, il y a des problèmes. Il y a ce qu'on appelle l'amertume. L'amertume de l'âme. Personne d'autre peut te soigner. L'amertume de l'âme, celui qui fait te consoler, peut-être que lui-même cherche la consolation. Dans l'amertume de l'âme, on peut même se suicider. Je vis dernièrement en Europe une femme qui était en train de se suicider. Et ce qui faisait cette transmission de ces faits, il dit c'est peut-être un Congolais
qui est en train de faire comme ça. Il voulait descendre du septième étage. Et son mari les poursuivait. Il dit que je ne fais pas ça. Il est à cause de l'amour. Mais il ne sait pas ce que cette femme a raison. Oui, lorsque le cœur est abattu, on a envie de se suicider. On a envie de faire du mal. De se rétrograder. On a envie d'aller dans le monde. Aller dans le loge. On a envie de faire du mal. Mais laisse-moi te dire, tu es là ce matin. Si le Saint-Esprit se parle, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Dans vivre, a reçu une solution. Une consolation. Malgré qu'il a plaidé, il a plaidé. Mais laisse-moi te dire, le temps de plaider. David s'est arrêté. Il a essuyé les larmes. Il faut essuyer les larmes. Je parle. Tiens, c'est pour ça. Il faut essuyer les larmes. Depuis que tu as perdu ce travail-là, depuis que tu as perdu ces affaires-là, ce travail-là, tu continues à pleurer, tu continues à s'associer. Depuis que tu as perdu tes parents, depuis que tu as perdu tes enfants, ton mari, ces fiançailles-là, tu continues. Mais jusqu'à quand tu vas continuer? Jusqu'à quand? Il faut s'arrêter. David s'est arrêté. David s'est arrêté. Dis-moi amen. Dis-moi. Et quand David s'est arrêté, la Bible dit, il est rentré consulter l'Éternel. Amen, amen. C'est ça les grands problèmes. Vous savez, dans la déception, les gens se précipitent à faire des réponses. Les gens cherchaient à réparer. Il m'a fait ceci. Bon, si je me cherchais vite, je vais récupérer l'homme. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour lui prouver. Oh, en faisant comme ça, vous rentrez dans le même étape, vous rentrez dans la même situation. Mais David n'a pas fait cela. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Dans mon liban, la naïrika, mon aïe, ma suis au suivi d'ailleurs. Ma suis famille d'ailleurs. Daoudi, allez la vie. Oui,
C'est vrai, quand il y a un coup de foudre, quand il faut un problème, il faut. Quand il y a des problèmes, il faut. Mais jusqu'à quand tu vas le faire pour allez, mon patron, il faut s'arrêter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vous dis que je ne vois pas vos apparences aujourd'hui. Mais je vois vos cœurs. Nous avons des problèmes. Mais mon patron, il faut arrêter. Et lorsque tu t'arrêtes, ne reste pas pour rester. Il faut aller consulter ton Dieu. La première des choses. Il a consulté son Dieu. Il a consulté ton Dieu. Consulter l'Éternel. C'est venir vers ton Dieu. Et se donner tout son cœur. Abandonner tout. Et dire maintenant, je vais mettre mon Dieu au-dessus de toutes choses. Dans ma vie, dans mon mariage, dans ma famille, dans ma situation, rien que Jésus-Christ est ta vie de la fête. Acclamez-moi très très fort le nom de Jésus. David, il a fait quelque chose. Il a consulté l'Éternel. Et lorsqu'il a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a dit beaucoup de choses. Il a la deuxième des choses, la Bible dit, lorsqu'il a consulté l'Éternel, il se fatigue de choses. Il se fatigue de choses. Bien aimé, écoutez-moi. Je ne perds pas un papa. Lorsque le diable vous attaque, il vous prend des affaires. Quand il peut être la vie de vos foyers. Ne réveillez pas comme n'importe qui. Rentrez vers l'Éternel. La deuxième des choses, il faut s'habiller de le faux. Soyez maintenant un homme de Dieu. Cela peut être vos saliers. Habillez-toi. Habillez-vous. De cet sacerdoce de Dieu. Lorsque vous faites comme s'il n'y a pas de problème. Lorsque vous croyez que vos propres efforts. Vous allez faire la vie de la colombe. Parce que tu es belle. Parce que tu es intelligent. Parce que tu as le diplôme. Laisse-moi te dire. Ça serait pour vous difficile. Vous n'avez pas cette
tout ce que vous ferez, c'est le sang que vous êtes l'enfant de son Père. Dans le travail, où tu seras, dans le sang de son soleil. Je fais gagner lorsque je vais récupérer ma divinité en moi, qui s'est souvenu, je vais prélier à ses abonnés, il a vaincu, il a vaincu, ma divinité, je ferai encore quelque chose, je vais récupérer. Ma famille, et mes pierres, il y a un temps de souffrir dans les cœurs, et il y a un temps aussi de changer la façon de voir les choses de Dieu. Alléluia, il y a quelqu'un qui dit amen. Et la troisième des choses, la Bible nous dit, il est allé consulter l'Éternel. Et pour vous en avoir, en réalité, on ne vient pas consulter l'Éternel tout en étant dans l'état normal que nous sommes. Ne laissez pas la charge aux hommes de Dieu. Tu dois d'abord prendre la décision. Reste, tu vas consulter l'Éternel. Écoutez, lorsqu'il a consulté l'Éternel, il lui a posé la question. En prière. Est-ce que je peux poursuivre? Qui ont pris les miens, qui ont pris mon enfant, nos enfants, nos vieillards, petits et grands. Supposons que Dieu disait non. Bien que c'est une bénédiction, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je parle un peu. Supposons que c'était Dieu qui te parle maintenant. Il te dit non, ne poursuivez plus. Ne suivez plus ces maris. Ne suivez plus ces biens-là. Laissez, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que tu devais faire? Peut-être que tu n'accepterais pas. Tu veux regarder l'apparence. Celui qui fait tout pour moi, s'il me rejette, qu'est-ce que je ferai? C'est lui. En attendant, c'est lui qui me console. Mais lorsque Dieu te dit non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Lorsque Dieu dit, il faut arrêter. Mais dans le contexte actuel, le Saint-Esprit te dit, poursuivrai-je. Dieu a répondu à David, poursuis et tu vas attraper. Poursuis et tu vas attraper. J'ai dit à une personne, si tu poursuis, tu les attraperas. Tu attraperas l'ennemi de ta vie. Celui qui a dépouillé tes enfants. Celui qui a fait les prisonniers de ta femme et de tes enfants. Tu les enlèves. Tu vas les avoir. Dans le nom de Jésus. Ici, Dieu vous parle des spirituels. Vous avez compris que vous sur le nom de mariage, peut dire papa, sont sataniques. Nombre de ceux-là, nous disons qu'ils sont femmes stériles, hommes stériles, leurs enfants sont dans les prisons sataniques. Et ta vie t'a demandé si pouvait poursuivre. Et s'il poursuit, est-ce qu'il va récupérer? Et quand le diable prend, il sait ce qu'il détruit. Mais d'autres choses, le diable le prend dans les prisons. Ils sont seulement dans les prisons. Ils sont armés dans les prisons. Ils sont prisonniers. Voilà pourquoi nous voyons, nous avons des enfants, mais qui ne font rien. Nous avons un parent qui ne fait rien. Tout son argent partait dans les prisons, dans l'esclavagisme, les travaux que nous faisons pour nous. Nous ne récoltons pas les gains de cause, parce que nos salaires, beaucoup de salaires de beaucoup de enfants de Dieu sont dans les prisons. Il y a deux choses. Ils prennent le bien et ils
prendre nos familles, les familles en prison. Père, vous voyez, nous avons beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de familles. Il suffit de regarder dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant derrière leur famille. Même dans l'âge adulte, nous sommes là. Il n'y a rien qui marche. Il y a une prison satanique. Il faut demander à Dieu pour se débarrasser de cela. On doit s'habiller de l'effort. On ne vient pas à l'église comme on vient. On doit changer nos vies. On doit laisser nos vies entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur dirige le monde. Et vous verrez ton souci là. Le souci de ton cœur va partir. Et si vous vous comportez comme l'ordinaire qui vient ici, Parce que nous tous nous avons des problèmes. Mais lorsque vous remettez vos problèmes après les médicaments, je dis à quelqu'un ce matin, vous verrez la situation à ton problème. Lorsque vous rentrez, consultez ton Dieu. David avait consulté son Dieu. Mais comme je l'ai dit, si Dieu te dit arrêtez, faut arrêter. Je veux dire ma petite Katika. Si je t'ai dit arrêtez, faut arrêter. Qui est derrière cette femme-là? Qui est derrière ce mari-là? Qui est derrière cet homme-là? Les autres personnes viennent, mais tu les refuses à cause de cette personne-là. Mais écoutez, si je t'ai dit arrêtez, faut arrêter. Je ne sais pas ce que je t'ai dit ce matin. Mais à David, je n'avais pas dit à David d'arrêter. Et comme je l'ai David ce matin, je te dis, il faut continuer. Il faut continuer à se battre. Et si tu te bats, j'ai intervenu à l'alphabet. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire de Naomi. Elle a souffert de l'amertume de l'âme que la Bible nous dit. À son jeune âge, elle avait perdu son mari. Elle avait perdu son mari. Après quelques temps, elle a perdu ses deux enfants. La Bible dit que il avait l'amertume de l'âme. Quand ses enfants, quand ses filles, ses belles-filles venaient vers lui, il leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car l'Éternel m'a rendu, m'a donné l'amertume de l'âme. Luc chapitre 1 verset 20. Mais là, à la fin, vous connaissez l'histoire de Naomi. Naomi est devenue belle-sœur, belle-mère de Boaz. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait regardé que son Dieu. Mais si tu regardes ton Dieu, je peux changer ta vie. Dans Job 3, verset 2 aussi. Job aussi avec elle à Dieu. Mais pourquoi alors tu me donnes la vie? Pourquoi alors tu me laisses à la lumière du monde? Car tu m'as bâti de l'amertume de l'âme. Mais pourquoi encore tu me laisses à la vie? J'ai le cœur amer. Je ne parviens plus. Mais vous connaissez la suite des choses. Job et Dieu l'a consolé. L'amertume de l'âme, c'est le que Dieu qui peut te consoler. Il n'y a pas une autre personne qui peut te consoler. Dans l'amertume de l'âme, si tu as perdu tes parents, si tu as perdu ton mari, si tu as été blessé, si tes biens sont partis, il n'y a que Dieu
qui peut te consoler. Il y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Celui qui a écouté ce message, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse celui qui a écouté. Toi qui n'as pas ton Dieu, pose la question à ton Dieu. Appuie-toi et le fais pour changer ta situation. Ne continuez pas le chemin comme vous l'avez fait. Ne change la façon de voir les choses. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton âme. Qu'est-ce que ton cœur est sur le problème. Dieu m'a dit d'interpeller ton cœur. Dieu m'a dit de parler à ton cœur. Tu as le problème. Moi j'ai le mien. Moi tu as les siens. Mais ton problème, si c'est un problème qui touche, si c'est le problème, donne la merde dans ton âme. La solution ne viendra pas des hommes. La solution ne viendra pas des hommes. La solution ne viendra pas de ça à la maison. La solution ne viendra pas d'aller rencontrer la belle famille, d'aller demander conseil par-ci par-là. La solution des résultats des tapis et des défauts, des télissages d'obstacles. Il faut tapis et des défauts. La corps à esprit. Revêtir la sainteté. Revêtir la divinité. Comme ça, si tu demandes à ton Dieu, la ligne de conduite. Ce matin, je sais que tu as un problème. Tu as perdu beaucoup de choses. Lorsque tu regardes ta vie, tu es un homme riche. Tu vivais dans une vie moyenne. Tu n'avais pas dit une vie riche. Tu étais dans une famille heureuse. Mais aujourd'hui, tout va basculer. Tu avais été dans le mariage. Tu étais déjà prêt à se marier. Mais aujourd'hui, tout a été basculé. Tu avais le ministère. Tu avais une grâce. Tout a été basculé. Laisse-moi te dire que l'intention vous est donnée. Quel est le souci de ta vie? Quel est le souci de ta vie? Quel est ce souci qui te fait l'amertume de l'âme? Dieu te dit la solution est là. Retourne chercher Dieu. Habille-toi de l'effort. Écoutez ce que Dieu te dira. Si tu dis il faut arrêter, il faut arrêter. Si tu dis il faut continuer à se battre, tout ce même travail, tout ce même mariage, tout ce même affaire, tout ce même objectif, tu peux y aller. Mais si Dieu te dit arrête, il faut arrêter. C'est-à-dire il a un plan. Il a un plan merveilleux. Il peut te changer. Destinée, lui qui voit tout, il est à mon accueil. De plus que ce que tu as là, même je vais voir. Tu peux te bénir. Je comprends que ce que tu as là, il faut écouter ça de mal. Passez dans la carte des enfants de l'Église. Il force le Saint-Esprit à aimer ce que eux veulent. C'est un homme important. Tu dois m'approcher. On se fie à l'apparence. Mais on ne voit pas. Qu'est-ce que ton cœur ressent à chaque fois que tu es avec lui? Qu'est-ce que tu caches que les autres ne connaissent pas? C'est ça le problème. Alors si Dieu te dit arrêtez-toi, mais si Dieu te dit continuez, ayez foi, tu vas gagner, parce que les enfants sont là.
N'allez pas dans le monde, n'allez pas se prostituer. C'est pour ça qu'il est tout, pour ça qu'il est. Ta bénédiction est là. Deux amis, pour que les cafés gérantés, ils parlent aux deux amis. La casse à la boue. Que Dieu bénisse celui qui est. Ça va pas pour la montée en deux. C'est bon, monsieur. La famille sur la yo. Et la vie, c'est bien aimé. La robe. La casse à la boue. J'ai à l'interpeller un guerre, c'est une terre. Ça m'a l'obéi, il faut que tu m'as montré la terre dans la loi. Yes. J'y ai venu à ce lieu. Pour écouter ton Dieu. Pour la Il a préféré à parler à ton père. À ce pays, à l'homme et à mon témoin, à Il a mis la montée en la vertu et la roue. Il a mon témoin, à l'homme, pour le donner, pour le roi. S'attirer par des problèmes, des difficultés, des soucis. Des amis, n'a pas proposé la vente à moi, ma passe à mon petit Malgré que tu es tel que tu es là. Attends, qu'on s'en dit, on est au monde en bataille. Quel ami est Attends, bien. Fort. Fort le mine. Tiens, donc on ne peut pas mon gars là. Mais Dieu voit en toi les hommes pour moi, la vente à moi. Les Saint-Esprit voient en toi. Alors que tes enfants sont prisonniers, ton mari est prisonnier, ta femme est prisonnière, tes parents sont prisonniers. Ils s'avancent. Ils risquent d'arriver très loin. Dans les mains du diable. C'est le temps d'arrêter. Alors que tout dans ta vie est détruite. Mais en moi, Dieu sera pas mon lever, mes amis. Va-t-il seulement pleurer? Parce que ce travail-là s'est arrêté. Parce qu'on a volé toute ta richesse. Parce que nous vivons dans les temps de Covid. Tu dois rester de bien parti. Tu dois continuer à pleurer. Jusqu'à quand tu dois pleurer? C'est le moment. Et combien de temps ton cité ton Dieu? C'est le moment de dire comme David, malgré que le peuple l'a tiré. Mais il a dit je vais chercher la solution. C'est le temps de la solution. Je t'ai appelé pour la solution. Ma fille, je t'ai appelé pour la solution. Arrête d'abord. Hier tu avais perdu le mariage, tu as perdu un fiancé, tu as perdu un mari, tu veux automatiquement les langues de me prendre une autre. Non, il faut arrêter. Arrête d'abord, regarde le devant. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi la personne qui venait matin, midi, soir chez moi, aujourd'hui il me réprimande. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut poursuivre ou arrêter? Écoutez, Dieu peut t'épargner de beaucoup de choses. Est-ce qu'il te dit arrêtez pas faire ça avec Dieu? Est-ce qu'il te dit vas-y? Tu vas pas aller dans le pleur. Tu vas pas aller dans le pleur, dans les lamentations. Tu vas aller comme une personne, un guerrier. Tu vas aller pour récupérer toutes ces avoirs. As-tu déjà dit quelque chose?
Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? C'est le côté des amas, le il t'a parlé pour tes biens matériels. Pour la vie, pour ton travail, pour ton affaire. Pour la vie, pour la vie, pour la vie. Merci, il t'a parlé tout. Et à l'homme, il est ta famille qui est bloquée. Pour la vie, pour la vie, pour la vie. Tes enfants. Voilà. Ta femme ou ton mari. Moi, c'est ton mari. Rentrez chez Dieu. C'était un bien ce matin dit. Je rentre là. Je rentre devant ta face. Je vais te suivre. Malheureux mes belles. Je m'en amène l'âme. Il est devenu
devenir la proche des premiers ministres. Ah, à quoi vous pétez la première ministre à Congo. Je le voyais comment il venait dans nos bureaux. La bureau, papa. Je ne dirai pas assez. Il vivait en Andalou ici, à Kingaboua. Fleuve. Mais ils étaient accrochés à un parti politique. Ah, ça m'a vu si bas. Hier, on m'a présenté, il était béni. L'université, papa, proche. Le premier ministre de la République démocratique. Même pas ça, un ministre proche des premiers. Attends, nous vous votez. Vous dites que préfet, il y a un prolongé ministère du Congo. Mais si longtemps que je n'ai pas encore dit les derniers. Les choses peuvent changer dans ta vie. Je suis en train de consoler ton cœur. Dans la main intime de l'âme, il n'y a que le métier par excellence qui te change. Jésus-Christ, qu'il soigne les blessures de cœur. C'est lui seul qui peut te consoler. Qu'est-ce que tu as perdu? Même si le diable l'a brûlé, ce qui est important, il a brûlé des affaires, le bien. Mais il vous a épargné. Votre famille, cette famille est en prison. Si tu demandes Dieu, c'est ma vie. Tu dois récupérer toute ta famille. Tu dois récupérer toute ta famille. Tu dois récupérer ton mariage. Tu dois récupérer ta naissance. Tes enfants, pas ton mari. Mais par contre, même si le bien était filé, tu as encore la grâce, tu as encore le bien main. C'est possible que Dieu te donne au-delà de ce que tu as donné. Bande konyo se chaîne biso Juve di TV kande na lobaki le les ala ki mokolo malamu otwa ki kokumi sans nzambe na bi ke partout bolandi biso ensemble to bondeli nzambe mais to komi na suka nyonso se sili taka mo na suka ba mama nde na lobaka na loba mingi te eza na moko ya ba mpaka lingomba aza na message to pesa biso programme nyonso ye église le lengeni nini batambola pa mbote pa. Oui, merci. Tout ça vraiment na esengo mingi ya koyamba bino Jivedi TV. Vraiment que Dieu vous bénisse. Biso tondimi que rencontre na biso na bino eza hasard. Et toyebi que moto ya salaka ke batu bakutana, tangu bakutana ka e bakapendenge ya kosala pona kotambola na bango. Et tondimi que oya permettre que bino na biso tokutana. À permettre pe après sa biso les voies et moyens y a biso na bino to marcher ensemble et l'habitude qu'il na biso est à la ca mercredi de 16h à 19h pe mercredi et vendredi les sous la na kilt d'enseignement de 16h à 19h30 pe dimanche de 8h à 12h sauf que les lots tozu mo retard mouke poto yamba ki bapaya. Vraiment que Dieu vous bénisse. Tous avons vraiment na eloko mingi ya kolobate, bato bakolanda chaîne oyo. Eza chaîne moko bo s'adhérer nango, bo s'abonner nango po makambo a bien komi na kati ya chaîne oyo. En plus na kati ya chaîne oyo e komi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa nanga na asi mbela na yo komi. Na lingi muke ko tuna etonge ya mbibiso eza na kombo na ngoni ni pasteur oyo ya lobi kitoko vona avant na liboko a Nzambe, malo ba Nzambe. Kombo na ye nani ezala malamu ko. Merci. Ngai na lobby et église oyo ebengami na kombo ya Kana. Ndenge na zomona na pareil na bino ba komi Kano, mais o eza Kana. Donc eza église Kana, eza église de réveil. C'est-à-dire oyo awuti côté ya biso azali évêque, Bobo Atunga. Tobenga kae en sigle Paba. Et oyo azolobawa aza secrétaire ya église.
Merci beaucoup, papa NACP. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci vraiment tout homme de l'Evangile pour nous tous les deux. Quand on est dans le bac, l'église Kana, il y a un bac qui est en train de se faire. Il y a une journée qui est en train de se faire. Donc, journée où tu es en train de se faire. Tosambele longo na bino boyoki ba programme na bango nyonso lolenge balobi boyoki obo tuno pasteur ate ibiso pasteur ngo kombone nani boyoki deja papa zala ki tupwe ya kopesa kombo ya monsieur na nzambe na ibi ke tokosuka na bango ka ate mikoloko ya toko continuer pona koya kozwa ba image en nyonso papa ate yaka na ibi ke mate ya lelo yo esikoza ozui par au bénéficier koleka. Il faut continuer. Bon, s'abonner massivement à la chaîne Nabino Obolinga Kamingi Juvedi TV. Équipe Modmaya Technique, équipe Mobimba. Donc, Moututa Tikalaki. Nous sommes dans la bébé à travailler dans Juvedi TV. Azalaki ensemble na l'église Kana. Nasi ma image, Ezalaki Albi Bayunga. Yem ta simba ki image. Na pesi e longo ni apena pona ba image ya malamu. E si kanyo sobo zwa mi pe bolandi mwa la suka ba mama. Tutondele nzamba lola. Apambola bino. Ciao. Bijou tumbi ya ye na bansango ya solo.